Hello, this is Annabelle from What's in the News Today. Welcome to your bilingual program. Let's see. Buckingham Palace. The changing of the guard was five minutes late yesterday. Oh, that's surprising. It's never late. It always starts at 11:30 a.m. What happened? Ben oui, la relève de la garde à Buckingham Palace à Londres a lieu. tous les jours à 11h30 et cette fois elle a eu 5 minutes de retard alors qu'est-ce qui s'est passé The guards were delayed on their way to Buckingham Palace Demonstrators, big traffic jams. Ok, d'accord, j'ai compris. Il y avait une manifestation qui a retardé les gardes. Parce qu'il faut dire qu'ils arrivent à pied jusqu'à Buckingham Palace. C'est pas loin, un trajet de 5 minutes. Mais quand les rues sont bloquées, forcément, c'est plus compliqué. Donc j'étais en train de dire que la relève de la garde au palais de Buckingham a lieu tous les jours à 11h30. Mais sais-tu dire l'heure en anglais Alors d'abord, commençons par l'heure pile. L'heure pile en anglais s'exprime par l'expression o'clock. It's three o'clock, il est trois heures. It's eight o'clock, il est huit heures. En anglais, la demi-heure se dit half past. It's half past two, il est deux heures et demie. Intéressons-nous maintenant à la partie droite du cadran. Dans cette partie, toutes les heures sont introduites par l'expression

5h30. Regardons maintenant la partie gauche du cadran. Toutes les heures de cette partie sont introduites, introduites par l'expression to. Exemple: It's 25 to 6. Il est 6h moins 25. It's 20 to 6. Il est 6h moins 20. It's a quarter to 6. Il est 6h moins le quart. It's 10 to 6. il est six moins dix. it's five to six. il est six moins cinq. and it's six o'clock. um, no, 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 it's not six o'clock yet. <laughs> now let's see. what time is it on this clock? it's twenty past five. now i've got a few minutes to tell you about the changing of the guard. « It takes place from May to July, every day at half past eleven at Buckingham Palace, and it attracts a lot of tourists. »« La relève de la garde a lieu tous les jours, de mai à juillet à 11h30 du matin, et elle attire de nombreux touristes. » En anglais, pour dire l'heure, on ne compte que jusqu'à 12 et non pas jusqu'à 24 comme en français. Donc pour dire qu'il est 11h30 du matin, on dira « It is half past eleven. » a.m. Alors que pour dire qu'il est 23h30 donc 11h30 du soir, on dira it is half past eleven p.m. Now, at what time can you see the changing of the guards at Buckingham Palace? À quelle heure a lieu la relève de la garde à Buckingham Palace? At half past 11 AM and don't miss it if you are in London. Ne la manque surtout pas si tu vas à Londres et va visiter Buckingham Palace, ça vaut vraiment la peine. Buckingham Palace was built in 1703. It is very big. There are 775 rooms. It is the Queen's official residence in London. When the Queen is there, You can see four guards at the entrance of the building, and when she is not, there are only two. You can recognize them easily. They wear red tunics and bear skins. Le palais de Buckingham a été construit en 1703. Il est immense, imagine, 775 pièces. C'est la résidence officielle de la reine à Londres. Quand la reine y est, il y a Quatre gardes à l'entrée du bâtiment, alors que quand elle n'y est pas, il n'y en a que deux. Et on peut facilement les reconnaître, ils sont habillés de tuniques rouges et portent un chapeau en peau d'ours. Du mois d'août au mois de mai, la relève de la garde n'a lieu qu'un jour sur deux. Mais si jamais tu te retrouves à Londres le mauvais jour, tout n'est pas perdu. Tu peux aller assister à une relève de la garde à Horse Guard Palace, entre Westminster et Trafalgar Square. Et là, la relève de la garde a lieu à cheval. c'est vraiment magnifique. So, where else can you see another changing of the guards? Où d'autres peux-tu voir une relève de la garde? At Horse Guard Palace. I hope you enjoyed today's program. See you soon. Bye bye.